Salut tout le monde, alors je profite de ce tournage de Partoche pour faire un petit retour. Alors merci déjà d'avoir regardé cette première vraie compo de la chaîne. Alors première vraie compo dans la mesure où c'est vraiment une première compo aussi collaborative avec autant de musiciens qui jouent, qui ont joué vraiment ce que j'avais écrit. C'était une expérience de fou. Enfin, ça, on va dire que c'est le premier pas vraiment pour quelque chose de plus... plus professionnel quoi, hein, parce que moi j'ai l'habitude de composer depuis plusieurs années entièrement sur logiciel. Alors forcément quand t'as des vrais musiciens qui sont doués dans leur instrument, qui jouent pour ton truc, bah t'es juste honoré. Alors pour ça, bah j'aimerais déjà les remercier eux et je vais les présenter pour ça. Tout d'abord merci Lord Beef Music, hein, qui a fait la batterie sur le morceau. Il a une chaîne où il fait des covers franchement de qualité, je vous encourage à y aller, hein, évidemment je mets le lien ici. Il a notamment fait une cover d'une musique de StarCraft que j'ai particulièrement trouvé cool et propre niveau son, vraiment c'était très stylé. Il joue plusieurs instruments lui-même, et notamment la batterie, hein. Moi je lui ai demandé de la batterie ici. Et donc franchement c'est cool, j'ai même participé à une de ses vidéos, hein. Je vous la mets aussi en lien, et c'était sympa évidemment. Donc gros bisous Pierre-Louis, à la prochaine j'espère. On a ensuite Dave, alors lui il tient une chaîne qui s'appelle Histoire Brève, c'est sa chaîne principale, alors c'est de la vulgarisation d'histoire tout simplement, c'est assez détente et c'est franchement cool, je vous encourage évidemment à y aller. Mais il a aussi une chaîne de cover qui se lance et donc voilà, il y a du bon avenir à mon avis, je vous encourage à cliquer là encore si vous aimez la musique. Il a joué la basse et la guitare électrique pour mon morceau et pour ça je le remercie infiniment. Alors ça m'a changé de composer pour de la basse et de la guitare, et de la batterie aussi d'ailleurs, mais pourquoi pas, écoutez, j'avais cette idée en tête, bam, je l'ai écrit, et donc il a répondu à l'appel pour faire la basse. Merci à toi, poto. Ensuite, il y a Alexis qui m'a aidé. Alors Alexis, c'est le violoncelliste. Franchement, avoir un violoncelliste pour sa compo, c'est juste magistral, parce que bon, autant batterie, guitare, tout ça, ça se trouve, violoncelle, c'est un peu plus rare, et franchement, il a répondu présent, donc c'était trop cool. Merci à lui, c'est grâce à ça que j'ai eu ce son, donc fantastique. Du coup, il a aussi fait la guitare acoustique dans le morceau, et donc voilà. Trop stylé. Vous pouvez retrouver Alexis sur sa chaîne de cover également, il a fait surtout des trucs de guitare, voilà, donc cliquez. Et puis moi Alexis, je te remercie encore une fois, et puis je te dis à la prochaine, j'espère. Au niveau des chœurs, c'est Vlad Tapas qui a participé. Alors Vlad Tapas, vous commencez à le connaître, je pense. Un excellent chanteur, hein, du coup, c'est pour ça que je lui ai demandé de compléter un peu mes chœurs. Sa chaîne, c'est ça, c'est le 7 barré principalement, son émission d'analyse de musique, principalement de jeux vidéo. Excellent, évidemment, excellent. C'est le concept qui me plaît le plus sur Internet, évidemment, c'est pour ça que je le fais. Donc voilà, cliquez, c'est génial. Surtout que lui, il fait aussi des compos, des covers, des trucs comme ça. Donc il fait de la musique, clairement. Je vous encourage à cliquer. À chaque fois, c'est un vrai bonheur pour les oreilles. Et puis, je te remercie encore, Vled, pour ta participation. C'était génial. Et puis, notre plan est magnifique. Donc voilà, encore une fois, merci à tout ce petit monde. Je compte bien utiliser encore tout ce monde-là et plein d'autres encore pour des compos et des arrangements aussi, hein. Moi aussi je vais faire des arrangements, il y a plein de musiques que j'aime et que j'aimerais retravailler un petit peu comme ça, donc déjà il y en a une qui va venir dans pas si longtemps que ça, un arrangement de Braja, une musique de l'anime Full Metal Alchemist, voilà. Donc encore une fois merci d'avoir regardé, j'espère que la musique vous a plu quand même un minimum, en tout cas si c'est pas le cas ou même si c'est le cas, vraiment commentez, j'aimerais vraiment avoir vos avis dessus. C'est un style qui me change, hein, honnêtement, j'ai pas l'habitude de composer un truc comme ça. C'est juste qu'un jour j'ai eu cette idée, je me suis dit bah tiens, ça sonnerait pas mal, je vais essayer, donc j'ai écrit ça, et puis voilà, enfin terminé. Donc commentez, vraiment c'est important, j'aimerais vraiment lire vos avis, et puis j'espère que vous serez au rendez-vous pour tout ce que je vais vous proposer ensuite, quoi, hein, que ce soit des let's score, des partoches, des notes dans le potage et compagnie. Voilà, allez, je vous embrasse, je vous laisse tranquille, à bientôt, voilà, bisous.